Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Alors, notre lecture aujourd'hui s'intitule Le Noël des bonhommes de neige de Caroline Boineux et illustration de Marc Boineux, édition Scolastique. Beaucoup de bonhommes de neige, hein? Les fêtes Noël aussi. Et les fêtes aussi. Ouais. La veille de Noël, j'ai fait un bonhomme de neige, vraiment gros et tout souriant. Je l'ai habillé de rouge et de vert et j'ai décoré de houx son chapeau élégant. Il semblait attendre quelque chose dans son regard et avait comme une étincelle. Je me suis alors demandé si les bonhommes de neige fêtaient Noël. Je crois que pendant que je dors en rêvant de cadeaux et de douceurs sucrées, les bonhommes de neige, à la hâte, quittent leur place tout excités. Ils glissent le long des rues enneigées, ornées de guirlandes scintillantes. Pendant que la ville sommeille sous une couche de neige brillante, ils passent devant les magasins aux vitrines illuminées et s'arrêtent de temps à autre pour contempler les cadeaux exposés. Venant de partout, les bonhommes de neige se rassemblent. Ils vont passer le réveillon de Noël au centre-ville, tous ensemble. Ils se saluent de la main et se lancent de rebonsoir. Les amis et la parenté sont si contents de se voir. Pour bien décorer la place, les bonhommes de neige enjoués accrochent partout des guirlandes et des glaçons argentés. Et au milieu, bien en vue sur un sapin de Noël géant et suspendait des boules de neige et une étoile, évidemment. Les enfants jouent au ballon chasseur et aussi à la tague glacée. Ils forment de hautes pyramides qui finissent par s'écrouler. Sur une grande table, les mamans posent des gâteries. Crème glacée, cornée de neige et aux délices assortis. Et maintenant, place à la danse. Au rythme endiablé du violon, les bonhommes de neige se mettent en rang et glissent deux par deux sous le pont. Oui, c'est sous le pont. Quelqu'un fait chut. Ce sont bien des grelots que j'entends. Puis, du haut de la colline, le traîneau du Père Noël descend. Le Père Noël ouvre son sac avec de joyeux oh-oh-oh. Il donne des cadeaux de neige et boit du chocolat chaud. Mais la tournée n'est pas finie. Et les reines s'impatientent. Au coup de sifflet du Père Noël, l'attelage s'élance telle une étoile filante. Que de gaieté, que de plaisir. Mais la fête n'est pas encore terminée. Se tenant tous par la main, les bonhommes de neige se mettent à osciller. Au son des clochettes et du violon, ils entonnent de jolis chants qui parlent d'étoiles de neige et de la naissance d'un enfant. Les enfants tombent de sommeil, les adultes bâillent, à qui mieux, mieux. Alors, aux petites heures du matin, les bonhommes de neige rentrent chez eux.
Chacun d'eux a repris sa place quand se lève le jour de Noël. Mais ces bonhommes tout en neige rayonnent d'une joie sans pareille. Leur beau sourire s'agrandit et leurs yeux se mettent à briller chaque fois qu'ils repensent au Noël merveilleux qu'ils ont passé. Joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël.